Et bonjour les chatons, aujourd'hui on va faire un petit tuto mécanique. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude, mais c'est pour vous montrer, pour les gens qui se sont un jour retrouvés dans la merde avec ça, bloqué dans ça, voilà. Donc on va vous expliquer tout de suite comment on s'est sorti de cette merde, et si quelqu'un se retrouvait dans cette situation, il pourra s'en sortir grâce à notre petite idée. Alors, Arnaud, tu veux présenter les outils? Donc, pour extraire le roulement de la balle cassée, on a besoin d'un gros marteau, voilà, d'une douille qui fait à peu près la taille du centre du roulement, voilà, comme ceci, ça c'est parfait, et bien sûr d'un tournevis plat pour aligner les billes à l'intérieur du roulement, comme ça on va voir tout à coup. Donc du coup, on va récupérer la bague centrale qu'on a cassée, donc celle-ci, là c'est le même... ici qui est pas cassé quoi. On va la mettre comme ceci en biais et on va essayer de déposer les anciens roulements un par un comme ceci. Get it. Pas plus roulement. Pour mettre un biais aussi, non? Voilà, que vous voyez à quoi ça ressemble. Donc du coup, c'était bien le roulement qui était cassé. Donc là, on est remonté. Ok. Donc là, on va retourner la jante, le mettre de l'autre côté. On va récupérer deux morceaux de bois comme ceci pour positionner la jante parfaitement dessus. Là, on va prendre la douille de tout à l'heure. On va venir la taper sur le milieu du roulement, comme ceci. Voilà. Un petit peu petit, mais... Alors ça, c'est ce qu'on appelle la technique portugaise. Et là, hop, vers la gauche. Voilà. Et donc là, on a réussi à récupérer, Le roulement qui était pété. La bague. Bravo! Bravo! Et voilà, nickel! Du coup, si la vidéo vous a été utile, pensez à mettre un petit pouce bleu. Et si ça vous a plu, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est avec grand plaisir. Voilà, bah allez, bonne soirée! Ciao, à plus!